Et bonjour à tous, ici John Jonah, Jojo si vous préférez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Storm X Dokkan. Nous sommes sur Dokkan Battle, sur la globale, et on va invoquer sur le portail de Trunks LR, mais dans un premier temps, déjà nous sommes en live, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a le chat à droite, donc les frérots vont passer le coucou, nous sommes une centaine, ce qui est très sympathique. Donc, je vais juste revenir sur quelques points avant d'invoquer et vous présenter rapidement les nouvelles cartes qui sont arrivées avec le portail, qui sont essentiellement des Trunks, évidemment, ça paraît logique. Alors juste une petite parenthèse par rapport aux végétaux. Alors déjà la compensation, une DS. Je sais pas quoi vous dire, hein, c'est dommage, voilà, hein, je vais pas commenter plus que ça. Le végétaux est encore farmable. Il est encore farmable, même si dans le Dokkan Event c'est pas indiqué qu'on peut farmer, enfin qu'il est farmable, il est farmable. Et maintenant on a le visuel de la carte, comme si tout se passait bien. Et du coup la catégorie Majin Buu, enfin saga de Buu, est disponible aussi. Même si on n'a pas le leader, on a ce petit leader qui est végétaux. Mais c'est pas intéressant, hein, mais tu peux voir les cartes que tu as dans la saga de Buu. Le message qu'ils ont mis in-game, c'est « Oui, mais en fait, on comptait bien le proposer aux joueurs à farmer, mais en fait, on a oublié de l'indiquer comme quoi c'était possible. » Bon, pour moi, clairement, c'est juste qu'en fait, les mecs, ils se sont foirés, ils assument pas, et du coup, ils te mettent un message comme ça, genre « Oh non, mais c'est pas, enfin, on n'a pas fait exprès, machin. » Bref, on s'en fout, quoi qu'il en soit. C'est bien, comme ça, on peut farmer l'aspect de végétaux, même si l'endurance n'est pas sortie. D'ailleurs, c'est pas dit qu'ils sortent avant Golden Freezer et compagnie. Donc c'est bien, donc le végétaux est encore farmable. Oui, 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 vous pouvez farmer l'aspect de tous les végétaux, si vous voulez, dont le végétaux LR, évidemment. Et puis, voilà. Donc voilà pour la parenthèse. Alors, concernant la carte, vite fait, hein, très rapidement, c'est quand même un bon SR, hein, quand on regarde, hein, à part entière, à part pour monter l'aspect. Bon, le leader, je passe, mais bon, c'est un petit leader de la saga de Buu. Bon, dégâts énormes, on s'en fout. Attaque plus 20%. Pour les alliés pendant un tour, bon c'est pas mal, mais bon si on le joue en troisième position c'est pas intéressant. Il donne ki plus 2 à tout le monde, donc c'est un petit support, et il se donne attaque et def plus 40%, c'est correct, il a part au combat. C'est un SR, il a des bonnes stats pour un SR, franchement 6500 d'attaque, c'est un SR, donc c'est pas mal. Bon, passons aux choses sérieuses, et on continue avec le plus mauvais SSR du jeu, ou plutôt l'ancien plus mauvais SSR du jeu. Parce que maintenant, c'est une bonne carte, hein, même une très bonne carte. Je rappelle qu'avant, il donnait ki plus 2 pour le tech et la puissance. Il faisait des dégâts énormes. C'était la carte, quand tu la voyais tomber, t'avais envie de te suicider. Enfin, bien sûr, je plaisante, mais voilà, t'étais dégoûté. Et bien maintenant, si vous ne l'avez pas, c'est quand même un bon support. Hein. Regardez, il passe en dégâts colossaux. Défense plus 30% pendant 6 tours. Vu que c'est un support, c'est pas con de stacker un peu sa défense. On peut le stack 3 fois. Regardez, je passe au stat tout de suite, 5400 défense, c'est excellent, pour un TUR c'est excellent, donc pas mal, il peut peut-être être un peu tanky à force de stacker sa défense. Bon les autres stats c'est correct, 8700 PV, 7100 attaque c'est pas ouf mais ce n'est pas un cogneur, on s'en fiche. Et il donne ki plus 2 attaque et def plus 25% pour les types tech et puissance, donc c'est un très bon support. À défaut d'avoir un Neo support, et ben c'est très intéressant, sachant qu'en lien il est bien fourni, Super Saiyan. Guerrier doré qui plus 1 GT, pas au combat. Je crois que pas au combat il l'avait pas, sous sa forme de mauvais SSR, n'est-ce pas? Donc voilà, et puis briser la limite évidemment, le classique, hein, vous connaissez. Donc ça devient une belle, déjà la carte est très belle je trouve, et en plus, c'est un très bon support. Donc ce n'est plus la plus mauvaise carte du jeu. Je pense que la plus mauvaise carte du jeu, ça se joue, vous savez, entre Vegeta Tech, le Gohan Intelligence, le Goku Agi. Hein, je pense que là, on a, c'est ça les plus mauvaises cartes du jeu, je pense que maintenant, et le Trunks Intelligence aussi. Ensuite, on a le Xeno Trunks Agilité, qui faisait avant de mémoire des dégâts colossaux. Je sais plus s'il augmentait déjà son attaque. Mais avant, il avait attaque plus 40%. Maintenant, il a ki plus 2 et attaque plus 80%. Très bien. Des bons liens, part au combat, Super Saiyan, le classique. Et merci à Rafi pour son abonnement. Attends, non, Rafki, merci beaucoup. Et bon, après Xenoverse, ki plus 2. On aura peut-être une catégorie Xenoverse un jour, je sais pas, hein, qui sait. Et il augmente son attaque pendant 6 tours sur l'aspect. C'est pas mal, ça peut se stack 3 fois, donc ça peut être un petit cogneur assez sympa. Mais pour le mettre Spédis, bah c'est des doublons ou des vieux cailles. Donc voilà, hein, vous comprendrez tout de suite le problème. 9600 en PV, 8200 en attaque et 4000 en défense, c'est correct. Voilà, c'est correct. Donc bonne carte, mais évidemment ça aurait été plus intéressant si on pouvait farmer sa SP ou autre. La carte est très jolie, j'avoue. Bon, enfin, le beau gosse, évidemment le Trunks LR, donc très très belle carte. Pas grand chose à dire, hein, très très joli, magnifique. Le leader, comme d'hab, 90% qui plus 3, j'y reviens pas. L'SP, gigantesque, titanesque, pardon. Défense plus 30% pour les deux, c'est pareil, c'est tout pareil. Dommage qu'il n'y ait pas 6 tours sur l'SP ultime. Donc on le stack 3 fois, donc c'est que 2 fois. Les dégâts, c'est comme d'habitude. Attaque plus 120% pour un EOLR, c'est très très très
fort parce qu'il a des stats de ouf. Grande chance de réussir un coup critique, 50% de chance. Donc en fait, le mec, c'est comme si tu avais débloqué l'arbre à fond au niveau du critique. Et encore, c'est même mieux parce que quand tu fais ça, tu as 20 points, soit 40%. Lui, il a 50% de base. Donc ce qui est intéressant, si tu as des doublons et que tu as énormément de chance un jour, eh bien, c'est de mettre de l'attaque sup, hein, clairement, parce que critique de base, donc il est extrêmement fort. Enfin, il va taper extrêmement fort. Et il a des très bons liens. Bon, lignée royale, ok. Super CN, vitesse époustouflante, par au combat. Il a brisé la limite. Donc comme quoi, il n'y a pas que VBLR qui a brisé la limite. Merci Nasrikam pour l'abonnement. D'autres NéoLR ont brisé la limite, donc c'est pas parce qu'il a brisé la limite que ça y est, la carte est pas bonne. Hein. Il est excellent pour un légendaire comme d'habitude. Les stats 17 000, 15 000, 9 600, vous rajoutez 2000 à ça avec l'arbre gratuit et ça fait pas mal de, bah, pas mal de stats. Mais pour une petite comparaison, hein, le VBLR qu'on va pouvoir mettre à 100% facilement, il aura 19 000 points d'attaque. Hein, soit plus que ce Trunks avec les plus 2000, hein, alors que l'autre est totalement gratuit. Bref, je pense que vous n'êtes pas prêt pour VBLR, mais on verra ça plus tard. Donc évidemment, excellente carte. Maintenant, je n'ai pas l'Ultimate Gohan, le leader de catégorie sans mêlée, donc je ne peux pas jouer ce Trunks, même si j'ai Gohan LR, malheureusement. Enfin, malheureusement, enfin, j'ai pas Gohan, donc je ne peux pas jouer cette team. Je pourrais le jouer dans la team Super Endurance, mais les Gotenks, dites-moi dans le chat si vous en voyez, mais moi, j'en vois strictement aucun, donc compliqué. Donc je vais mettre 100 DS et pas plus parce que voilà, clairement, même si je le drop, je serais très content, hein, c'est pas le problème. Mais je pourrais pas le jouer de manière efficace. Donc voilà. Bon, j'en ai pas parlé, mais il est extrêmement facile à éveiller. Il y a quelques médailles, des super strikes à récupérer. C'est super facile. De toute façon, si vous avez un doute sur les éveils, allez sur le Wikia qui est dans la description. Vous avez tout ce qu'il faut, les éveils, les médailles, etc. Donc n'hésitez pas. Alors, évidemment, donc le Trunks dans sa version SSR, hein, très bien. Je crois que l'aspect, elle est pourrie, non, la première. Ouais, c'est un, ok. Bon, l'aspect du LR, elle est unique, hein. Enfin, les deux sont uniques. Les deux sont uniques, elle est plutôt sympa. C'est l'enchaînement qu'il fait sur Freezer, évidemment. En single, les gars, en single. Les gens qui me disent, mais non, on fait des multi, allez voir toutes mes vidéos et vous comprendrez pourquoi je fais des singles. Voilà, c'est ça, c'est un Gotenks, tu joues au loto. Le Trunks, qui est le plus mauvais SSR, enfin, qui était le plus mauvais SSR du jeu, qui est du coup une bonne carte. Si vous l'avez pas, soyez content de l'avoir, même si évidemment, enfin, c'est pas ce qu'on veut, mais c'est une bonne carte, c'est un bon support, donc voilà. Xeno Trunks, on l'a vu tout à l'heure, voilà. Hein. Si vous en dropez 9, bah, Spedis, c'est intéressant. Le Trunks GT, très bonne carte, voilà. Fierce Battle, attaque plus 100%, il est très bien, c'est une bonne carte. Lui, il a pas d'éveil, donc pas intéressant. Pan, elle va dans pas mal de teams en tant que support, donc c'est intéressant, c'est cool. Le Trunks Ikari, c'est un bon support en soi qui peut faire l'affaire dans la super endurance, donc pourquoi pas. Merci Dragon Ferris pour l'abonnement, et d'ailleurs il rentre dans la team sans mêlée aussi, pourquoi pas, si tu n'as pas mieux en tant que support. Le Vegeta, il sert à rien, enfin voilà, c'est une carte correcte, mais c'est pas très intéressant. Il est pas mal, mais voilà, on s'en fout. Mai, je commande pas. Lui, une fois éveillé, il est pas dégueu, mais voilà, il y a tellement mieux à côté. Après, bon, mais après, le problème de ces genres de cartes, c'est que leur spé n'est pas farmable. Donc, partant de là, tu vas pas claquer 9 vieux kai sur lui. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà. Pareil, même discours, même chose. Bien une fois éveillé, mais voilà. Lui, il a pas d'éveil, c'est étonnant. Je suis vraiment déçu qu'il ait pas eu d'éveil avec l'arrivée de Trunks LR, parce que c'est un très bon support. Et à mon avis, il sera excellent une fois qu'il aura un éveil. Donc, voilà. Bonne carte en devenir, mais pour l'instant, alors lui... un des plus mauvais carnages, hein, non, pas intéressant du tout. Et après, c'est des SR, donc je pense, les gars, qu'on va voir beaucoup d'arc-en-ciel. Hein, donc, faut pas s'affoler quand il y aura un arc-en-ciel, hein, parce que comme il y a plein de SR, évidemment, vous en doutez, les néo-LR sont sur le portail, hein, les autres. Hein. Est-ce que j'en vois un, là, vite fait, histoire de dire. Nanana, nanana, oui. Bah, yon. T'es sérieux? Ah! Majin Vegeta, je dirais pas non. En fait, je le dis à chaque fois, mais le C17, là, ici, là, Agi, comment je serais trop content de l'avoir, sérieux, mais vraiment. Parce que c'est un très très bon support. J'ai pas Kale non plus, donc je dis pas non. J'ai pas non plus le Bou, hein, qui bloque l'aspect, qui était sur la portée de Gohan Ultimate, je dis pas non. Enfin bref, voilà, allez hop, let's go, on commence, les gars. Et il y aura que des singles, parce que je n'ai pas de chance en multi en règle générale. Voilà, après, je dis pas que je drop tout en single. Enfin, je veux dire que je viole les portails à chaque fois en single. Mais en règle générale, en multi, j'ai pas beaucoup de chance. Voilà, en règle générale. Bon, il est vrai que pour les néo-LR, j'ai eu pas mal de chance pour Gohan en multi. C'est vrai.
Et on commence avec un Trunks, très très bien. Il peut monter l'aspect du Neo LR, il faut le savoir. Parce que c'est un Trunks voilà, jeune. Donc on peut le garder, hein, ça évitera de farmer l'aspect avec le Trunks du Super Strike. Ça fait ça en moins. Bon, après, c'est pas compliqué, hein, le drop est garanti. C'est pas bien compliqué. Donc voilà, voilou. C'est vrai que des gens ont déjà DB Fighter Z. Oui, bah ouais, les gens qui. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, les gens qui ont accès en avant, enfin souvent c'est les presses, enfin les grosses chaînes, etc. quoi. Bon, est-ce qu'on peut avoir 7 pods? 6 pods. Première single Shenron. Putain, y'en a. Putain, mais démon, tu es en train de me voler toute ma chance. Pas de SJ3. 6 pods pour un SR. Ok, super. Mon coup là, que tu as drop à la deuxième single. Ouais, enfin, je suis pas sûr que c'était la deuxième. Mais non, d'ailleurs, c'était Gattai avant. C'était Gattai, de mémoire. Sur RR, faut faire des multi jeux, tu drops souvent. Et... Enfin, oui, non, parce que Broly, je l'ai eu en single. Zama Black, je l'ai eu en single. Et Gohan LR, certes, je l'ai eu deux fois en multi. Mais. Est-ce que c'est un bye-bye? Alors, c'est soit un bye-bye, soit du troll. Si c'est un bye-bye, peut-être. Waouh. Trunks Xenoverse. Ok, bah moi j'ai 5 pods, pas de transformation pour un SR. Super. Génial. C'est 5 pods, pas de transformation, un SR. C'est quoi ce troll? Moi quand je regarde des vidéos d'autres gens, hein, quand il n'y a pas de transformation avec autant de pods, hein, c'est. Je sais pas, c'est le SSR quoi, c'est le bye bye quoi. 200 DS, 0 SSR. Ah bah oui, c'est. Oui, Bordak, oui, c'est sûr que tu m'as pas volé la luck, hein, j'avoue que. Là, c'est une certitude. Ah, de toute façon, je vais pas forcer. Hein. Honnêtement, je vais pas forcer. On se fait, voilà, 100 DS, c'est très bien. Ce sera très très bien. Merci Eliade, c'est gentil, les gars. C'est gentil. Par contre, les marabouts, c'est pas très sympa. Oui, VBLR dans la team Migaté, oui. Bon, est-ce qu'on peut. Attends, parce que. Attends, j'avais 130 DS, je crois, à peu près. Ah ouais, je suis déjà à 30 DS de claquer. Non, c'est 10%, donc 10%, c'est 1 SSR que les 50 DS, techniquement. Hein, j'ai vraiment au moins respecté le taux de drop, tant qu'à faire. Enfin, je sais pas, je demande, est-ce que c'est possible? Enfin, je sais pas, le jeu, s'il te plaît, au moins respecte le taux de drop, sera déjà ça, parce que bon. Oui, le portail Vegeta est mieux, mais bon, bah voilà, tenter sa chance. Un virus SSR, c'est bien. J'ai pas l'intelligence, donc de toute façon, j'ai rien à monter. Est-ce qu'on peut avoir au moins un SSR en fait au bout de 50 DS? Ce serait bien. Un petit Shenron, tu vois, pour me faire plaisir, non? Non, bah non. Petit Migaté. Y a moyen d'avoir un petit SSR? Éventuellement, hein, juste 50 DS, un SSR, non? C'est logique. Enfin, c'est. Non, non, ok. Merci Dragon Ball One Piece. Enfin, Dragon Ball vs One Piece. Ouais, je sais pas. On a déjà claqué bientôt 50 DS. Et on n'a pas l'ombre du nécessaire. Ok, rien du tout. Ça sent la rare. Super. Oula, ce portail a l'air magnifique. Hein. Oula. Ouh, il a l'air sexy. Hein. Alors, attends, si j'ai un SSR, comment je vais faire? Voici, c'est bon. Je peux. Enfin, si j'ai un SSR. Si j'ai un Shenron, je peux éventuellement me cacher. Bah, ça y est, 50 DS. Hein. On y est. 50 DS. 50 DS. 50 DS, on a eu au moins 5 rares, je crois. On a eu moitié rare, moitié SR. C'est cool, hein. C'est cool. Donc on est à 50 DS là. Ouais, c'est ça. 20, ouais, c'est ça. Donc 50 DS, 0 SSR. Ok. Il y a moyen d'avoir un SSR quand même. Enfin, je sais pas. Ou alors je vais suivre le même chemin que Bordak, peut-être. Parce que là, vu comment. Ouais, d'accord, ok, rien du tout non plus. Te transforme pas éventuellement? Non, bah non. T'es sérieux là? Ok. 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 Ah ouais, 50 DS de Riolo de ACT. Oui, ça, oui, c'est vrai. Ok, donc on est à. Ouais, ok. Donc est-ce que. Est-ce qu'on va partir sur. Ouais, sur. Ok, d'accord. Ça m'a l'air vraiment sympa hein, cette vidéo.
Ouais, c'est J3 un jour. Non, non, bah non. Démon qui a deux SSR à côté, alors que moi, je suis pas foutu d'en avoir un seul. Faut que peut-être que je relance le jeu, parce que... je vais peut-être relancer le jeu. Hein. Ouais. Je vais relancer le jeu, parce que je pense que là, il est cassé. Hein. Des fois, je trouve que c'est un peu bizarre. Oui, bien sûr, les gens qui me disent qu'ils vont me rembourser si je fais une multi, c'est très drôle. C'est très très drôle. Ouais, c'est un peu lourd, là, par contre, j'avoue... Encore une fois, hein, je sais très bien qu'il y a peu de chances de l'avoir, parce que bon, il y a 14 cartes sur le détecteur, je le sais bien, je vous le dis à chaque fois. Maintenant, j'aimerais bien au moins avoir un SSR, quoi, enfin le taux de drop, quoi, 10%, je sais pas, à moins que ce soit pas 10%. Mais dans ce cas-là, c'est un autre problème. Je recharge le jeu, hein, c'est normal. Bon, attendez, parce que du coup, ouais, son DS, ça va aller vite. Hein. Ça va vite, hein, les DS, hein, ça va vite. Hein. Ça descend vite. Hein. Putain, mais c'est le bon portail, là, attendez. Là, c'est... Bon, c'est vrai que sur la globale, c'est pas inscrit, les taux de drop, mais non, c'est 10%. On voit même pas le portail, ça va bugger. Je vais faire crasher le portail, les gars. Ok, rien du tout. Non, j'ai pas fini de farm les médailles. Un SSR peut-être un jour? Non, non, bah non, toujours pas. Non. Non, mais. Non, mais les gars. C'est un peu du troll quand même. Hein. Oui, hors détecteur, il y a du bon, hein, c'est sûr. Hein. Ouais, non, toujours pas. Ok. Ok, non, mais. Ok, vas-y. Bah on enchaîne, hein. Bah on va partir sur 100 DS sans SSR. Hein. Ça continue, c'est ça qui va se passer. C'est magnifique. C'est super. C'est. Ouais, d'accord. Sinon, c'est. Enfin, je sais pas, hein. C'est. C'est quand tu veux le jeu, hein, pour me respecter, hein, 10%. Encore une fois, hein, je sais que, voilà, y a peu de chances de l'avoir, mais au moins un SSR, quoi, non? Non, je sais pas, non. Non, y a pas moyen. Allez, encore une rare, mais c'est. Ok, ok. Ok. Super, hein. Ah, 10%, wouh. 10%. 10%, ouais, je sais pas où ils sont les 10%. Hein. Honnêtement, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont les 10%. Là, ils sont perdus. Hein. Je crois que les 10%... Ouais, oh là là, ouais, allez, encore une rare, c'est... ouais. C'est... Ok, 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 ok. Non mais attends, mais t'es sérieux quoi. Bon allez, allez, un petit ban avant de finir là, parce que les mecs ils ont pas compris que... Avant de continuer, je vais juste dire, je vais mettre au clair un truc. Les multi ou les singles c'est pareil, ça dépend de chacun, donc arrêtez de brailler multi, 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 t'es con machin, parce que ça sert strictement à rien. C'est pareil, c'est 10%, basta. C'est la même chose. Donc ça sert à rien de « Ah, mais multi, machin, mais c'est mieux. » Non, 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 c'est pareil. Maintenant, comme je suis joueur, je vais faire une multi. Et j'espère que je vais pas le regretter. Donc s'il te plaît, le jeu, respecte-moi. Voilà, merci, un Shenron. Et c'est pas parce que j'ai fait une multi qu'il y a un Shenron. C'est juste que voilà, j'ai eu de la chance là sur les multi. Et encore, j'ai eu de la chance. Attendons, attendez les gars. Attendez. Bon. Je mettrai pas plus, hein, évidemment. Je rechargerai pas, hein, c'est hors de question. Bon, comment je vais faire du coup? Parce que d'habitude, quand j'ai un Shenron en single, ce que je fais, c'est que, bon, pas tout le temps, mais je me cache, c'est comme ça. Il y a moyen de. Peut-être, tu vois, je fais ça et je regarde le chat pour voir ce que vous. Mais là, le problème, c'est que. À moins que je passe tout, mais c'est chiant, quoi. Bon, tiens, on va balancer. Ah, mais si. Mais c'est galère de me cacher. Mais tu vois, je crois pour. Putain, c'est chiant. Bon, je regarde pas, mais c'est un peu chiant, les gars. Hein. Franchement. Bon, du coup, je vais appuyer. Oh. Ça se trouve, le SSR, il est déjà sorti. Hein. Non, je peux pas mettre le son là tout de suite, c'est trop tard. Fais un black screen. Hein? Ok, si j'ai trop accéléré, je dis plus que les singles, c'est mieux. Ok. Thank you.
toute façon, si j'ai Trunks, je pense que. Trunks s'agit. Ah, génial. Super. De toute façon, les gars, il y a quasiment que des Trunks sur le portail en soi, donc c'est logique, hein. Ouais. Thalès. Ah ouais, d'accord, super. Bon, bah, c'est de la merde, quoi. Thalès Int que j'ai déjà, hein, n'est-ce pas, hein, que j'ai déjà 20 fois. Non, bah, j'ai vu, Caron, j'ai vu. Hein. Tristesse. Ouais, super, quoi. Magnifique. Bon, bah, là, la tristesse, hein. Je l'ai déjà, hein, le Trunks Tech. Hein. Je l'ai déjà. Bon bah voilà voilà hein. Voilà RIP RIP en même temps enfin comme j'ai dit hein, sur ce portail enfin c'est compliqué je veux dire enfin 14 SSR c'est ridicule quoi c'est juste ridicule bon Thalès 1 que j'ai déjà qui me sert à rien il va aller chez Baba quoi enfin bref bon on aura tenté notre chance les gars donc pour la VOD sur YouTube je vais arrêter là maintenant donc n'oubliez pas le pouce bleu les gars les gens qui regardent la vidéo sur YouTube et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait passez une très bonne journée à très bientôt salut à tous.